Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les attentats du 11 septembre, une invention. Les vaccins contre le Covid, une manière de nous implanter une puce dans le corps pour nous surveiller. Et cette pandémie, finalement, ce n'est qu'un canular lancé par les élites financières ou les Illuminati pour dominer le monde et nous manipuler. Voici quelques-unes des théories du complot les plus répandues aujourd'hui, des théories qui circulent allègrement sur les réseaux sociaux et dont la propagation s'est accélérée ces derniers mois dans le contexte de la pandémie. D'où viennent ces théories du complot? Pourquoi y croit-on finalement? Ou en tout cas, est-on tenté d'y croire par moment? Et comment lutter face à ces théories du complot? Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos deux invités. Alors déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, donc, Sébastien Chenavet, vous êtes doctorant-chercheur au GRAEL. Donc le GRAEL, c'est le groupe de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique de l'ULB. Vous êtes également professeur de français dans plusieurs hautes écoles. Et alors, vous avez écrit ce livre « C'est quoi les théories du complot ?» donc un livre paru aux éditions de la Renaissance du Livre. Et alors à vos côtés, Frédéric Thomas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes linguiste, doctorant, chercheur en psychologie cognitive au laboratoire Cognition humaine et artificielle à Paris, enseignant aussi en psychologie à l'Université Sorbonne Nouvelle, et alors auteur dans la même collection donc, que Sébastien Chenavet d'un livre qui s'appelle « Dis c'est quoi l'esprit critique ?» Alors ces deux livres, ils ont été illustrés par deux illustrateurs de talent. On a Frédéric, Canard, pardon, pour votre livre, Frédéric Thomas, et alors Jonathan Boussemard pour votre livre, Sébastien Chenavet. Donc deux dessinateurs qui ont accepté qu'on diffuse leurs illustrations pendant l'émission. On aura donc le plaisir de les voir pendant les 28 prochaines minutes. Alors, j'ai envie de commencer avec vous, Sébastien Chenavet, et de reprendre tout simplement le titre de votre livre. Finalement, dites, c'est quoi les théories du complot? Je dirais dans un premier temps que les théories du complot, on en entend beaucoup parler en ce moment, avec des étiquettes très différentes, hein, pensée complotiste, discours complotiste, théorie du complot. Et dans le livre, ce que j'essaye de montrer en essayant de dialoguer avec mon interlocutrice, c'est de montrer que parmi toutes ces définitions, il y en a une qui semble pertinente pour essayer de faire le tri et de proposer une définition, je dirais, qui permet de comprendre et d'envisager l'actualité. Voilà, sur le sujet des théories du complot, avec un angle plutôt rhétorique. Et celui-ci se caractérise, cet angle rhétorique se caractérise par quatre éléments, à savoir que la théorie du complot est une théorie de l'histoire, un discours sur l'histoire, qui va mettre en œuvre un certain nombre d'arguments qui sont tout à fait utilisés par vous et moi dans l'actualité, mais qui, cumulés, vous amènent sur une pente logique qui, inéluctablement, vous amène à considérer l'histoire comme une série de complots, tous tramés par un interlocuteur et un groupe de personnes bien particuliers, dans lequel il n'y a pas de hasard, qui prend pour cible un groupe, comme je l'ai dit, bien déterminé, et ce groupe va persister dans sa mauvaise foi, sa capacité à faire œuvre de mauvaises actions, etc. Et puis, surtout, dans cette vision des choses, on va utiliser un argument dit de l'abduction, à savoir qu'on va très vite passer des indices à des faits. On va considérer cet indice directement comme des faits et comme une appréciation qui permet de considérer que ce qui se déroule là sous nos yeux est une véritable machination, un véritable complot organisé par un groupe particulier. Donc sur base de certains indices, on va un peu les surinterpréter en fait, et les surinterpréter pour en déduire des choses ou établir certaines corrélations aussi entre des événements qui ne sont pas nécessairement liés. Oui, tout à fait. Et ce qui est, je dirais, intéressant dans cet argument, c'est que, comme je l'ai déjà dit, il est utilisé de manière très courante par vous et moi, et aussi par des professions tout à fait respectables, comme les médecins, comme les enquêteurs,
À savoir que quand un médecin vous voit arriver dans son cabinet et que vous avez la gorge qui gratte, bah, probablement, voilà, vous avez peut-être une toux. Il va commencer à faire une enquête beaucoup plus précise avec des extraits pour voir si véritablement vous avez une toux. Il va vous dire, bah, non, voilà, prenez telle médication et d'ici quelques semaines, ça passera. Donc vous voyez, cet argument est utilisé par le commun des mortels et sans en faire à lui seul, si on veut, le nœud et le centre d'une théorie du complot. Il faut qu'il se mêle à d'autres types d'arguments pour pouvoir former véritablement une vision de l'histoire versée dans le complot tel que je l'ai défini. Mmh. Alors, Frédéric Thomas, donc je disais, vous êtes psychologue, mais aussi linguiste. Et est-ce qu'au niveau du discours, de l'analyse finalement du discours, il y a des points communs entre toutes ces théories du complot? Il y a des choses qui se retrouvent dans toutes les théories, qui sont très différentes, qui se groupes parfois, mais qui sont aussi très différentes. Tout à fait. Les théories du complot, en fait, sont absolument éclatées. On peut parler d'une espèce de galaxie de théories du complot qui ne se connectent pas forcément. On a des complots contre des grandes organisations politiques qui tireraient les ficelles dans les coulisses, mais on a aussi l'invasion des reptiliens, par exemple, qui est l'arrivée d'une civilisation extraterrestre pour gouverner par la suite. Alors, ce qu'on retrouve dans toutes ces théories du complot, c'est une opposition au consensus d'experts. Pas forcément à la version dite officielle, puisque une version officielle, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des médias, du politique. Non, non, c'est simplement un consensus d'experts qui émet une opinion, et la théorie du complot va venir frapper cette opinion en disant « oui, mais ». Si on regarde ça, on peut aussi penser à ça. Mmh. Et en effet, vous le disiez tous les deux, elle va aller chercher des corrélations et des indices pour créer de nouveaux faits. C'est l'histoire en rhétorique du faisceau indiciaire. C'est la meilleure hypothèse possible et plausible à la fin qui gagne. Et donc, ils vont chercher toutes ces corrélations pour arriver au final à cette hypothèse dite complotiste contre un consensus d'experts et qui va par ailleurs activer ce qu'on appelle un biais de confirmation des hypothèses dans lequel on tombe très facilement, qui nous dit que lorsque on voit des indices qui confirment ce que nous pensons, nous aurons davantage tendance à leur accorder du crédit que s'ils viennent contrer notre pensée initiale. Alors, on citera quelques théories, on creusera encore ça, mais je voulais savoir, Sébastien Chenavet, est-ce que finalement les théories du complot, c'est quelque chose de nouveau qui est né avec Internet et avec les réseaux sociaux, ou c'est finalement quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire? Alors, on pourrait le croire, c'est-à-dire voilà, avec l'émergence des médias numériques et des réseaux sociaux, on a cette impression un peu, je dirais, facile de penser que les théories du complot arrivent en masse comme ça de nos jours. Et en fait, si on remonte le fil de l'histoire, on voit qu'à certaines période, on a des témoignages, je pense là tout de suite au 19e siècle, de personnages, notamment journalistes, qui expliquent très bien qu'ils vivent dorénavant dans une société de mensonges, que tout s'est effondré et que les mauvaises nouvelles vont bon train. On peut comme ça remonter le fil de l'histoire. Je dirais, ce qui est particulier aux théories du complot, c'est qu'elles se concentrent véritablement à l'émergence de la modernité. Et donc, avec la Révolution française, on a là un événement qui vient bouleverser, je dirais, le prisme par lequel les gens avaient l'habitude de regarder leur réalité, à savoir voilà, la société d'ancien régime, le roi. Et tout d'un coup, tout s'effondre. Et c'est à partir de ce moment-là que les grandes théories du complot, dites un peu théories du complot classiques, viennent émerger. Je pense par exemple voilà, au discours de l'abbé Baruel sur la Révolution française. On voit que c'est à partir de là, à partir de cet événement fondateur, que les théories du complot émergent véritablement en tant que discours construit sur l'histoire et l'histoire longue. Parce que bon, certaines théories du complot font remonter le complot à plusieurs milliers d'années. Donc voilà, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on baigne dans un univers culturel qui est fasciné en fait par les théories du complot. Frédéric a parlé des biais cognitifs et j'imagine on va en reparler, ça favorise évidemment cela. Et c'est très intéressant de voir la production culturelle, que ce soit cinéma, bande dessinée, les jeux, dans lesquels les théories du complot sont le nœud de l'histoire et sont même favorisées, leur production favorisée par les spectateurs ou les joueurs.
Oui, et on voit, évidemment, Internet a permis à ces théories de se répandre et d'être diffusées. Est-ce que quand même les périodes de crise telles qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ce sont des périodes propices au développement de ces théories du complot ? Tout à fait, tout à fait. Sébastien le disait, c'est avec le bouleversement que naît le complot. La Révolution française est l'exemple typique pour ça, mais on voit que des événements comme le 11 septembre, qui sont un bouleversement absolu, on se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre, amènent des théories du complot derrière. On a des éléments comme l'élection de Trump, qui a bouleversé le monde entier, ils se sont demandé comment est-ce que c'était possible. Et on a en effet des théories du complot qui naissent une fois que le bouleversement ne peut être assimilé correctement, entre guillemets. La mort de Diana. Ça nous dépasse, en fait. C'est trop. C'est, voilà, exactement. Ça nous dépasse. La mort de Diana, ça a choqué une quantité astronomique de gens. Et beaucoup ont donc cru à la théorie officielle. Mais d'autres se sont dit, c'est pas possible. Il doit y avoir autre chose qui a causé le décès de la princesse Diana. Et donc là, on rentre dans l'analyse de photographie, l'analyse des piliers du tunnel qui étaient déjà apparemment préparés pour, etc. La mort de Michael Jackson, même problème. On a le décès d'une star reconnue internationalement sans savoir comment celle-ci est décédée. Fatalement, ce bouleversement implique une quête de sens. Je permettrai juste sur cette notion de bouleversement qui est essentielle dans la compréhension du phénomène théorie du complot. C'est finalement, les bouleversements, ça peut toucher évidemment tout le monde. Et c'est une des choses que je dis aussi dans le livre, c'est qu'il n'y a pas, d'un côté, le monde des gens raisonnables qui se présentent aux diverses personnes de la société, et puis d'un autre côté, les méchants complotistes qui imaginent toutes sortes de complots. En fait, dès qu'on est touché par un bouleversement, et c'est très intéressant que vous ayez parlé de l'élection de Donald Trump, eh bien, on est susceptible, on a cette capacité, cette faculté psychologique, mentale, logique et argumentative en nous, d'amener une théorie du complot pour expliquer ce bouleversement. On l'a vu au moment de l'élection de Donald Trump dans le camp démocrate, par exemple, où on imaginait que son élection était due en fait à un trucage des élections par la Russie et Vladimir Poutine. Et puis aujourd'hui, là, l'effet qui se déroule en ce moment même et même les jours précédents au Capitole montre à l'inverse que la défaite de Donald Trump engendre le même type de réaction et de pensée complotiste. Oui, et du coup j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement ce qui s'est passé ces derniers jours au Capitole, au Congrès américain. Est-ce que ça montre que ces théories du complot, elles sont pas juste un risque théorique et un risque pour des gens qui croiraient ça de chacun de leur côté sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est un vrai risque pour la démocratie? Bien sûr, bien sûr. Toute théorie du complot part d'une hypothèse, de quelque chose de très abstrait, d'une formation de la pensée pour essayer d'expliquer un phénomène qu'on ne parvient pas à expliquer ou dont on n'accepte pas l'explication. Mais les théories du complot mènent parfois, pas systématiquement, à des actions. Et on le voit en ce moment, en effet, au Congrès américain, c'est qu'il y a une théorie du complot selon laquelle l'élection a été truquée, théorie qui a été diffusée massivement par le président Trump et qui donc enjoint la population qui croit que cette élection a été truquée à venir manifester au Congrès. De là, on connaît les incidents qui s'en suivent. Donc oui, les théories du complot peuvent mener après à une prise d'action et souvent à une réaction violente contre l'establishment et contre la pensée ordinaire dont s'écartent justement les complotistes. Alors, on a déjà répondu en partie, mais finalement, pourquoi on y croit? Pourquoi, en tout cas, on est tenté d'y croire? Pourquoi certains y croient vraiment? Pourquoi ces théories du complot nous séduisent autant? Alors, il y a plein de facteurs qui permettent d'expliquer ça. Le premier dont on parlait tout à l'heure, ce sont ces bouleversements qui peuvent nous arriver et qui peuvent arriver dans l'histoire en général et qui nécessitent parfois une explication différente que celle qui est proposée par les médias officiels ou par un consensus d'experts. Mais il y a aussi notre capacité, notre besoin de sens, tout simplement. On a besoin de comprendre ce qu'il se passe et parfois on n'a pas accès
à la réalité qu'on souhaite analyser. L'une des plus grandes théories du complot, c'est celle du négationnisme. On n'a pas accès à ce qu'il s'est passé à l'époque, donc, entre guillemets, on peut dire ce qu'on veut pour faire sens. Ce qui est une erreur cruciale, puisque ça néglige tout l'aspect scientifique de l'histoire et des domaines qui se sont penchés dessus. Donc, c'est une quête de sens, c'est un besoin de sens chez l'être humain. Et puis, pour ceux qui ne cherchent pas forcément le sens, mais qui ont l'intérêt pour l'explication de certains phénomènes, eh bien, il y a la curiosité qui nous amène à certaines théories et l'absence d'esprit critique, ou en tout cas d'un outillage de vérification qui nous pousse du coup à croire la première information venue et donc potentiellement une théorie du complot. Est-ce que par exemple dans le cas du Covid, où on se dit voilà, il y a des gens qui étaient pendant le confinement seuls chez eux, très isolés, est-ce que ça, c'est peut-être aussi le sentiment d'appartenir à une sorte de communauté, une communauté qui elle sait, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé de personnalités plus ou moins connues et donc qui relayaient toute une série de théories autour du fait que bah, voilà, le Covid n'existe pas ou qu'il a été créé par des firmes pharmaceutiques ou autres. Et donc est-ce qu'il y a ce sentiment aussi de voilà, nous on est cette communauté qui sait et on se sent peut-être valorisé aussi de savoir alors que d'autres ne savent pas tout ça? Alors, je ne sais pas s'il y a une opposition par rapport à ceux qui ne savent pas, entre guillemets, qui n'ont pas cette vérité révélée face à eux, mais je sais qu'il y a une cohésion entre les personnes. Et en effet, quand on était en confinement Covid et que les premières théories du complot ont commencé à affluer, les groupes sur les réseaux sociaux se sont très, très vite créés et énormément de gens se sont retrouvés dessus à vouloir confirmer leurs croyances. Et c'est ça qui fait du bien. C'est « je ne suis pas seul, donc je n'ai pas tort ». Je dirais que c'est renforcé en plus par ce besoin de croire dont vous avez parlé très bien à l'instant et qui fait écho et qui accélère le mécanisme de crise en fait, de la société que nous connaissons. Là, vous avez pris l'exemple du Covid, mais s'il y a bien une chose que tout le monde a vu ces derniers temps, que ce soit via les médias ou même dans la réalité quotidienne, c'est qu'il y a une véritable crise à l'intérieur même de la médecine, pour savoir, tiens, est-ce que la solution là du docteur Raoult, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Pourtant, ce monsieur, il a objectivement tous les critères d'un grand scientifique. Il publie énormément selon les critères qu'on a à notre disposition pour qualifier le degré de compétence d'un scientifique. Et pourtant, il semble que sa solution ne soit pas acceptée par la communauté des médecins. Donc, du coup, est-ce que la médecine est une véritable science, objective, etc. On a la même chose, le même type de crise du point de vue médiatique, puisqu'on a bien vu que les médias avaient du mal à pouvoir se positionner tant par rapport aux annonces des médecins que par rapport aux annonces des politiques. Et crise politique, parlons-en, là également, on a un système en France et en Belgique politique qui fait que les politiques ont eu du mal à tenir un discours cohérent sur toute la durée de la crise, parce que la crise est quelque chose face à laquelle on n'a pas l'habitude de travailler. Et en plus, c'est rajouté à ça, je dirais, une difficulté à percevoir la responsabilité des différents acteurs, chacun étant d'accord pour dire que la responsabilité devait aller à quelqu'un d'autre que lui. Et donc, finalement, le cafouillage un peu qu'il y a eu à certains moments dans la crise renforce ce déficit de confiance envers les autorités et du coup renforce les théories. Bien évidemment, et on voit donc que sur ces facultés, je dirais, humaines qu'on a chacun et ces dispositions qu'on a chacun à penser par mécanisme de l'abduction, raisonnement indiciaire, absence d'hasard dans l'histoire, vient se greffer en fait une crise qui est bien plus large dans nos sociétés, une crise politique, rationnelle, médiatique, qui aboutit à ce constat qu'on observe aujourd'hui. Donc je dirais, par rapport à ces discours,
il faut éviter le discours culpabilisant, systématique sur les méchants complotistes qui voient tout d'un mauvais œil. Mais non, il faut essayer de comprendre ce que ça dit en fait de notre époque et des crises qui la traversent. Mmh. Oui, donc ça veut dire qu'on est tous aussi prédisposés, entre guillemets, à être complotistes. On est tous à risque, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là. C'est le terme à la mode, en tout cas. Tout à fait. Alors, justement, maintenant, du coup, comment lutter finalement face à ces théories du complot? Parce que, bon, elles existent, on sait qu'elles sont là, on sait qu'elles se répandent très largement, notamment sur les réseaux sociaux, que ça circule et qu'on le voit nous-mêmes dans des amis sur les réseaux sociaux, on se dit, mais enfin, pourquoi ils partagent ça? Donc, ça nous étonne même parfois. Alors, comment on lutte face à ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, il y a un des points, je trouve qu'il y a une chose qui ressort de vos deux livres, c'est le fait que pour vous, la stratégie d'affrontement, la stratégie de mépris vis-à-vis de ces complotistes ridicules, imbéciles, ce n'est pas une bonne stratégie et qu'il faut justement ne pas les affronter. Mais alors, que faire ? Alors, je vais rebondir déjà sur cette histoire de stratégie confrontationnelle. En effet, ce n'est pas la bonne stratégie. En tout cas, c'est ce que les études sur le sujet nous mènent à penser. C'est que lorsqu'on va rencontrer une personne qui est victime d'un biais cognitif ou qui a une pensée complotiste, lorsqu'on va la confronter brutalement en lui disant « ce n'est pas ça, tu as tort », elle va avoir tendance à avoir un effet boomerang et donc à revenir plus encore à l'aise dans sa propre pensée. Donc, on risque de conforter la pensée de l'autre en voulant la nier, ce qui est quand même un concept assez incroyable. Et j'en parle dans le livre, beaucoup de médias ont adopté la stratégie du débunkage, donc qui est de la destruction de ces fake news et autres théories complotistes, en utilisant le mot « non », virgule, nanana. Et en utilisant ce nom, il y a une culpabilité qui s'installe chez le lecteur qui a cru à cette information en disant « Franchement, je suis débile ». Mais non, il faut arrêter avec cette stratégie de culpabilité et donner les outils aux gens pour s'armer face aux informations. Une des méthodes pour ça, c'est ce qu'on appelle l'inoculation. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les jeunes sur des complots complètement fantasques que personne ne croirait vraiment, leur montrer comment ils sont arrivés à ne pas croire à ce complot pour qu'ils puissent ensuite adapter ces outils vers des complots plus complexes, plus crédibles. On voit tout de suite que cette stratégie est une stratégie à long terme, de longue haleine, et qu'elle en soit en fait une forme de pari qui nous engage, Frédéric et moi, sur l'esprit critique, dans la mesure où on sait qu'on ne va pas peut-être tout de suite en percevoir les conséquences, mais ça reste un principe qui est, je dirais, au cœur, ou qui devrait rester au cœur de nos différentes stratégies pour lutter face à l'ignorance en général, quelle qu'elle soit, avec cette conviction humaniste selon laquelle il est possible, simplement en faisant confiance aux individus et en leur parlant non pas comme à des enfants, mais à des adultes, et en revalorisant cette notion du débat, d'en sortir quelque chose de mieux, tous ensemble. Plus concrètement, quand on parle de valorisation de l'esprit critique, pour moi, ça relève de trois différents niveaux, trois différentes vagues, pour reprendre un mot à la mode. Tout d'abord, c'est évidemment parier sur l'école, je dirais, à deux égards. D'un côté, le renforcement de l'esprit critique des enfants, et ça passe par, qu'on le veuille ou non, une transmission des savoirs qui doit être, un peu remise au centre des apprentissages, parce que ça fait un peu, plusieurs années qu'on a tendance à évacuer cette dimension-là des choses, alors qu'elle reste, on le sait, très importante. Dans un deuxième temps, toujours à l'école, on peut imaginer, et là c'est un peu ma passion pour la rhétorique qui intervient, mais essayer de redynamiser l'enseignement, que ce soit du français, mais de plein d'autres matières via l'enseignement rhétorique. Et là, je renvoie aux travaux dirigés par Emmanuel Damblon avec Benoît Sens et Lucie de Doncel, qui essaient de bien
percevoir comment et quels outils rhétoriques mettre en place avec les élèves pour développer leur esprit critique. Et là où c'est très intéressant pour nous tous, c'est que ce sont des astuces et une boîte à outils qui étaient déjà utilisées en fait dans l'Antiquité, notamment par les grands théoriciens de la rhétorique. Et dans un troisième temps, et j'en termine là, c'est tout simplement de réinvestir l'idée de débat et de démocratie sur ce sujet, histoire de laisser libérer tout de même dans un premier temps la parole, quitte à ensuite revenir dessus et changer des arguments. Mais alors, je voudrais juste revenir, on arrive à la fin de l'émission, mais sur la question de l'esprit critique. Je conseille vraiment votre livre, hein, qui est très didactique, et les deux d'ailleurs, est vraiment très didactique. Et je pense que pour les écoles, les élèves, c'est vraiment des livres qui sont adaptés, des formats agréables à lire, donc vraiment accessibles à tous. Mais alors, je voulais juste revenir une dernière question sur l'esprit critique. Est-ce que ce n'est pas une arme à double tranchant? Parce que dans les vidéos des complotistes, souvent, ils appellent les gens à faire appel à leur libre arbitre, à leur esprit critique et à ne pas être des moutons qui suivent la norme. Tout à fait, et c'est là le problème de l'esprit critique, c'est que l'esprit critique peut être utilisé par n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et il faut un esprit critique qui est centré sur la vérification des faits, mais aussi l'objection de nos propres idées. C'est-à-dire qu'on va essayer de nier nos propres croyances et essayer de trouver l'argument contre nos croyances. On va essayer de trouver le point de vue opposé qui nous permet en fait de nous remettre en question de manière perpétuelle, mais raisonnable aussi. C'est tout un travail à faire sur soi-même. Mais voilà, je pense que c'est important de douter, mais se munir des bons outils et de bonnes méthodes. Et comme l'a dit Frédéric, hein, être confronté au point de vue adverse, rechercher la fiabilité des documents, c'est une base qui doit continuer à être diffusée le plus largement possible. Et ça passera effectivement par l'enseignement. Et voilà, au niveau du Centre d'Action Laïque, on promeut depuis longtemps le cours, par exemple, de philosophie et de citoyenneté. Je pense que ce serait un des lieux où ce type de questions peuvent être abordées. Je rappelle aussi, juste avant de nous quitter, le site du Graal, donc le Graal, le groupe de recherche dans lequel vous travaillez, groupe de recherche donc sur l'argumentation et la rhétorique de l'ULB, où on peut trouver notamment des boîtes à outils, hein, des choses assez pratiques sur les théories du complot. Oui, tout à fait. Et puis voilà, les chercheurs que j'ai mentionnés, Benoît Sens et Lucie de Doncel, participent de cela. Emmanuel Dombon, tout à fait. Effectivement. Et donc vos deux livres, dit c'est quoi les théories du complot et dit c'est quoi l'esprit critique. Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.